Alhamdulillah, une fois de plus, nous revenons à vous, chers frères et sœurs, le frère Abdelkarim, en collaboration avec le frère Yacoub Sila, pour vous présenter sa première roulette, c'est-à-dire sa première fauteuil roulant, qui est déjà dans un état précaire, comme vous le constatez là. Et telle est la cause pourquoi nous avons sollicité, lui offert presque la même chose, mais à l'état neuf de très très bonne qualité, compte tenu le village et le terrain. Comme vous voyez, le terrain est accidenté et celle-ci a été choisie concernant, c'est-à-dire par rapport au terrain, car avec ça, elle pourrait très bien se déplacer où que ce soit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et qu'il vous facilite. Nous allons passer la parole au papa de la fille, même pour qu'il essaie de donner son mot de satisfaction pour ce que nous avons fait à sa fille, ce que vous avez fait à sa fille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahi, tu as l'air de dire que je suis au niveau de manger de la Chine, de la Mokero, pour être dans le monde. Le papa dit en question, il est tellement fier, il ne sait comment exprimer sa fierté pour cette cadeau et pour cette assistance venant à sa fille que vous voyez là. Et il souhaite que cette bienfait et qui est passé par moi, que vous êtes, nous sommes tous des causes par rapport à cela. Non, Allah est chine, on fait un peu. Amen, qu'Allah me préserve. Amen. Et quand il rentre, que Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans vos biens et qu'il vous préserve. Et il souhaite encore. Amen. Et il demande que, comme vous faites tout cela, en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant ainsi son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde ce paradis. Et il dit tellement, il est fier qu'il ne peut continuer car avec l'émotion, il peut pleurer et il ne sait plus quoi dire. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Et qui vous laisse ici là avec de très très bonnes salutations, avec des mots, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala pourra vraiment agréer de vous cette sadaqa et vraiment vous accorder ça le jour où ni bien et ni action ne seront aucune utilité. Chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense énormément. Et sachez que vous êtes la cause. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné de la richesse, vous êtes ceux qui peuvent assister ceux qui ont vraiment besoin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans vos richesses et vous accorde le plus haut degré du paradis. Et sachez toujours que celui qui en donne reçoit plus venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haza wa sallallahu ala nabi karim. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.